Bonjour et bienvenue à TFN. Ce soir, on va discuter les faits divers. La bibliothèque de Farragut va lire Le chat chapeauté aux enfants demain. Ils vont lire Les ouvertes au jambon. C'est une occasion géniale pour les enfants et les parents peuvent avoir un jour libre. Venez et faire partie de ce jour. Cette semaine, il y avait beaucoup de menaces dans les écoles de Knox County. Ces menaces sont graves et les élèves qui sont coupables seront arrêtés. Le parc de chiens aura une fête pour le jour du chien le 16 avril. Il y aura des gâteries pour chiens et de l'eau. Maintenant, le météo. À toi, Lydia. Merci, Ellie. Le météo va être mauvais cette semaine. Il y avait du soleil aujourd'hui, mais ça va changer demain. Il y a eu du vent et c'est possible qu'il y ait eu une tornade. Ah, je suis trompée! La tornade est ici! Je répète! La tornade est ici! À toi, Elisabeth. Merci, Ellie. Maintenant, on va discuter les sports. Samedi prochain, il y aura un jeu de pratique à l'Université de Tennessee. Notre école Hardin Valley Academy a prouvé encore une fois qu'on est la meilleure. Notre équipe de volleyball n'a pas perdu un jeu et notre équipe de baseball jouait bien aussi. L'équipe de course a gagné la compétition la semaine dernière. Finalement, notre équipe de danse aura les essais la semaine prochaine. À toi, Lydie. Merci, Elizabeth. Depuis le 1er avril jusqu'à le 1er mai, il y aura un festival des printemps. Ce festival annuel célèbre le printemps et l'histoire de Knoxville. Il y a beaucoup de choses à faire pour toute la famille. La mission est libre, mais amenez de l'argent pour la nourriture et d'autres achats. Malheureusement, il y avait une pâte d'hélicoptère mortelle en Pigeon Forge. Une famille de 5 personnes est morte. Ces gens ont été identifiés. La famille était sur un tour signé du Smokies quand la pave s'est produite. Maintenant, on retourne à Ellie qui va prendre un appel d'une invitée spéciale. Merci Lydie et bonjour encore. Ce soir, on va parler avec Donald Trump. Il y avait un peu de contre-temps et j'ai entendu que vous voulez construire un mur. Est-ce que c'est vrai? Salut. Je voudrais vous dire que je veux construire un mur. À mon avis, ça va être génial, vraiment génial. Aussi, je me laisse femme, bien que je suis mariée. Les femmes ne devraient pas avoir des droits. Arrêtez l'immigration. D'accord, merci Trump. Maintenant, on retourne à Elizabeth pour notre nouveau segment aujourd'hui en histoire. Merci Ellie. Maintenant, on va discuter aujourd'hui, le 11 avril, en histoire. En 1970, Apollo 13 a été lancé le 11 avril. En 1972, chanteur français Alain Théo est né. En 1976, Steve Jobs a présenté le premier produit d'Apple. Ces jours étaient importants pendant de plusieurs années. Maintenant, on retourne à Ellie pour finir. Bonjour encore. Malheureusement, c'est 16 heures. On espère que vous avez une semaine étonnante. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour voir nos invités spéciaux, Obama et Miley Cyrus. Merci beaucoup et à bientôt.